Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au Théâtre Sébastopol pour ce déconcerto pour 31 pianistes. Alors, 31 pianistes, je pense que personne n'a jamais vu ça et je pense que personne ne le reverra plus jamais. Et alors, pour ce faire, pour partager cet événement avec le monde, j'aimerais que la pièce suivante soit faite en multivision. C'est-à-dire, je vous explique, sortez vos téléphones portables. Allez, sortez vos téléphones portables. Allumez-les pour ceux qui ont pensé que c'était bien de les éteindre. Allez, allez, allez. Voilà. Montrez-les-moi, c'est bon. Non, 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 il n'y en a pas. Non, 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 non. Vous n'allez pas me dire que là, sur 10 personnes, personne n'a de portable. Non, Et dénoncez vos voisins s'ils ne les ont pas sortis. Allez, montrez-les-moi. Connectez-vous tous à Facebook ou Twitter. Allez-y, allez-y. Très bien. Maintenant, vous allez sur publier. Et vous choisirez le truc. Vidéo en direct. Et vous commencerez à filmer seulement au signal du chef d'orchestre. Est-ce que tout le monde est prêt ? Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Facebook, bonsoir Twitter, bonsoir Instagram, bonsoir Tinder. Nous sommes en direct du Théâtre Sébastopol pour cet événement unique, le déconcerto pour 31 pianistes. Un événement en multivision sur tous les réseaux, allez partager avec le hashtag 31 pianistes ou le hashtag déconcerto. Nous allons donc vous interpréter dans l'antre du roi de la montagne de Grieg. Et seulement au signal de chef, vous arrêtez la vidéo. Salut Facebook.
Donc maintenant, s'il vous plaît, prenez tous vos téléphones portables. Éteignez-les et rangez-les définitivement dans vos sacs. Merci. Non, c'est parce que voilà, maintenant tout le monde a son souvenir, sa vidéo, sa photo. Le monde est au courant que vous étiez là. Et on n'est pas bien là, entre nous. En petit comité à 1350. Voilà. Je préviens tout de suite, si je vois encore un téléphone portable d'ici la fin du concert, je le confisque. Hein, on arrête tout, je le prends. Voilà, que les choses soient claires. Nous allons donc continuer ce récital par la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Thank you.
4000. Alors, vous venez d'entendre la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Liszt. Voilà, c'est un tube. Voilà, c'est vrai que c'est... Non, si, c'est un tube. Dans la musique classique, il y a des tubes. Et c'est vrai que ce morceau, on se dit, ouais, Rhapsodie hongroise. Par contre, tout le monde connaît évidemment l'interprétation de Bugs Bunny, Tom et Jerry et Donald et Daffy Duck dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà. Et c'est vrai que c'est un tube. Et le problème, c'est qu'un concert, 1h30, 2h, 8h, 5h, 20h, ça commence à faire long. Et les tubes, il a bien fallu faire un choix. Donc on s'est consulté avec François, avec François aussi. Oui, il y a plein de François sur ce spectacle. Et on a décidé que les tubes, on allait les jouer tous en même temps. La pièce qui va suivre, le grand mash-up de Grant Houllard, comporte 52 titres, 52 tubes de la musique classique. Comptez-les, un mug de pianistologie est offert à celui qui a le nombre exact. Voilà. Et si jamais il y a égalité, sachez que dans le titre que nous allons jouer, il y a 52 tubes composés par, il n'y a pas de hasard, 31 compositeurs. Donc si vous avez les deux, vous avez le droit à un mug et un DVD de pianistologie. Le grand mash-up de Grant Houllard. Thank you.
Monsieur François Clercs. Alors, est-ce que le compte est bon ? Hein, bon, 52 titres, 31 compositeurs, j'ai envie de dire, après les chiffres, les lettres. Amaury Brenne, premier prix du Conservatoire de Lyon. Voilà. Après les chiffres, les lettres, et c'est vrai que parmi tous les tubes du piano, s'il y en a un à retenir, c'est... Pardon ? Ah non, pour vous, le plus grand tube du piano, c'est quoi ? Allez-y. La lettre, bah oui, la lettre à Élise, forcément. Eh oui, et la lettre à Élise, c'est le tube, et ça va être l'occasion pour moi de rendre hommage à mon professeur de piano, Pierre Carrière, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été aussi le professeur de quelques-uns de mes collègues. Pierre Carrière, qui malheureusement ne peut être parmi nous aujourd'hui. C'est donc un hommage à titre... Non, pas posthume, il est en Italie en train de se taper des pizzas et du Chianti. Bravo le respect pour les anciens élèves. Et Pierre Carrière, mon maître, rendait lui aussi souvent pendant ses spectacles, pendant ses soirées privées, hommage à son maître, à lui, son compositeur préféré, Ludwig van Beethoven. Voilà, il lui rendait souvent hommage en jouant la lettre à Élise à la demande générale d'une personne qui souvent n'écoutait pas. Et je vais donc vous interpréter maintenant la lettre à Élise de Pierre Carrière. Alors, figurez-vous qu'il y en a beaucoup qui le savent, d'autres non. J'ai fait mes études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ça claque, hein. Alors, pas en piano parce qu'ils n'ont pas voulu de moi, mais en histoire de la musique. Voilà, on prend ce qui reste. Et pendant mes études, j'ai eu la chance d'être envoyé en Allemagne pour pouvoir étudier la vie de Ludwig van Beethoven. Alors, je précise bien Van Beethoven, V-A-N, et non pas von Beethoven, parce que Ludwig n'était pas allemand, mais flamand. Non, il y avait vraiment Van Beethoven, vous le verrez sur les écrits. Et en fouillant un peu dans le passé de Ludwig van Beethoven, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que tout le monde croit, il n'était ni allemand, ni flamand, mais argentin. J'ai donc retrouvé la version argentine que le petit Beethoven a composée dans les rues de Buenos Aires à l'âge de 8 ans. Les parents de Beethoven étaient effectivement argentins, il s'avère que ses grands-parents étaient des émigrés espagnols. Et donc j'ai retrouvé la version que Ludwig a écrite pour ses grands-parents, la version espagnole de la lettre à Élise.
si ses grands-parents étaient espagnols, figurez-vous qu'ils habitaient dans le sud de l'Espagne. Hein? Et donc les parents de ses grands-parents, c'est-à-dire ses arrière-grands-parents, soit les parents des parents de ses parents, oui, oui, venaient du sud de l'Espagne. Ou plutôt, du sud de l'Espagne. La famille Beethoven étant cosmopolite, hein, vous imaginez bien que s'il avait des arrière-grands-parents qui habitaient au sud du sud de l'Espagne, il a aussi, alors excusez-moi, le beau-frère du cousin de la sœur adoptive de sa grand-mère par alliance, qui était grec. Il a donc composé une version grecque pour le beau-frère. Je n'ai pas obligé de taper dans les mains à chaque morceau. Hein. Non, non, non. Bon, honnêtement, c'est vrai. Non, vous avez compris que tout ceci n'est qu'une vaste blague, parce qu'en fait, Beethoven était français. Enfin, français, on s'entend. Enfin, lui, il n'entendait plus grand-chose, mais. En fait, Beethoven était français et il était même carrément breton. Beethoven était véritablement flamand, hein, Ludwig van Beethoven, et nous qui habitons dans le nord de la France, proche de la frontière, on connaît très bien les flamands, et on sait qu'ils ont deux réputations, ou réellement, qui sont plutôt près de leur sou. Hein, voilà. Et comme le temps, c'est de l'argent, voici la Flandklatur des Helis. Et, non mais, imaginez s'il avait été corse. Et allez, s'il avait été savoyard, là-haut sur la montagne. Monsieur Sexy Clocheman. Voilà. Il faut savoir que depuis pianistologie, je suis tenu par contrat de le faire intervenir quoi qu'il arrive. Alors, j'aurais voulu leur donner plein d'autres versions à jouer, mais pour la version qui suit, aucun de mes collègues n'a accepté de le faire par respect pour l'artiste. En effet, on dit souvent Beethoven, le génie. Ouais.
ce qu'on ne sait pas, c'est que le petit Beethoven était vraiment une bille en orthographe. Et j'ai donc retrouvé la version originale, avant la correction, de la lettre Elise. Chère Elise, cordialement, Ludwig. Certains diront que ça ressemble à la version Pierre Boulez. Je ne dis rien là-dessus. Mais à l'époque de Beethoven, il y avait deux pays qui se disputaient vraiment le monopole de la musique. Il y avait l'Allemagne d'un côté et l'Italie. Et c'est vrai que si Beethoven avait été italien, il aurait habité Venise et il aurait écrit une version plus romantique de la lettre à Élise. Antonio, mi amor. Alors bon, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on reste un petit peu en Europe ou pas loin de la maison, en tout cas, mais. S'il vous plaît, faites preuve d'un petit peu d'imagination. Pour certains, ça ne va pas être facile. Et imaginez Beethoven, les cheveux attachés, avec une natte, une longue barbichette, assis en tailleur au bord du Yangtze-Kiang. Monsieur Sexy Gongman. Non mais, et par exemple, imaginez si Beethoven avait été russe. Quoi, ouf. Attention, hein. Vous êtes polonais peut-être. Et vous savez qu'on dit souvent que le peuple russe aime faire la fête, aime boire, aime danser, aime chanter. Et je pense qu'il aurait écrit une version chantée de la lettre à Élise. J'imagine que tout le monde parle russe dans la salle.
Merci. Évidemment, vous avez tous reconnu « Laisse-moi t'aimer » de Mike Brandt. Alors, je tenais absolument à jouer ce morceau dans ce récital parce que vous ne savez peut-être pas, mais tout est parti de là, en fait. Hein. Tout est parti d'un clip qu'on a tourné à l'époque, et il y avait 31 pianistes aussi, au magasin Roubaix Musique. Donc, on était au magasin. Alors, d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier vraiment une personne en particulier, deux personnes, trois, enfin toute une équipe en fait. Je voudrais vraiment que vous applaudissiez très fort. Monsieur Franck Hamon de chez Roubaix Musique et toute son équipe, parce qu'ils ont ramené tous ces pianos rien que pour vous. Voilà. Et surtout, parmi l'équipe, enfin, ils sont tous beaucoup très très courageux. Je voudrais aussi remercier Franck parce qu'il a accordé aussi, et Alain Verstreppen, l'accordeur qui s'est tapé quand même 30 pianos à accorder depuis 15 jours, toute la journée. Voilà. Voilà, il faut savoir qu'accorder des pianos toute la journée, ça peut rendre fou. Enfin, lui, il avait déjà un terrain, donc... Voilà. Et d'ailleurs, oui, petite chose, tous les pianos qui sont sur scène sont à vendre. Hein. Alors, n'hésitez pas, si vous en voulez un, si vous le prenez ce soir, il y a 10% de remise, et on vous le charge dans votre coffre. Non, c'est pas une blague. Alors, qui dit 31 pianistes, qui dit Sébastopol, dit événement exceptionnel. Et c'est vrai que c'est un événement exceptionnel qu'on est en train de tous partager ensemble, et... Je ne pouvais pas faire organiser ce genre de répertoire sans une vraie création. Une vraie création, une composition pour 31 pianos. Et la pièce qui va suivre est une pièce, c'est une création mondiale, qui ne sera jouée probablement qu'une fois. N'ayons pas peur des mots. Une pièce de mon collègue et néanmoins ami, monsieur Jean-Christophe Schoenwald. Et donc c'est une pièce qui est écrite pour 31 pianos et 1352 personnes. Voilà. Et donc c'est une pièce dans laquelle vous allez participer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez devoir chanter ceci. C'est simple. Ouverte. Très bien. Je laisse chacun libre d'interpréter bouche fermée, bouche ouverte au moment, en fonction de la nuance de la musique. Nous allons donc vous interpréter maintenant une création mondiale éponyme de Jean-Christophe Schoenwald. Thank you.
Je voudrais que vous applaudissiez bien fort, Monsieur Jean-Christophe Cheneval. Je sais pas où il est. Merci. Nous allons donc continuer ce récital par une autre pièce de musique contemporaine.
Ah, les soirées au Golden Wave, quoi. Ouais, ceux qui ont ri, c'est parce qu'ils savent. Donc, c'était Children de Robert Miles, un tube de la musique contemporaine de 1992. Parce que la musique contemporaine, c'est aussi ça. Bon, entre nous, hein, un concert à 31 pianistes, certains diront « oui, c'est exceptionnel », certains diront « waouh, quelle performance », certains diront « waouh, les déménageurs, tout ça, les accordeurs, waouh, c'est... » Mais en fait, qu'est-ce que c'est vraiment un concert à 31 pianistes? C'est un caprice. Voilà, un de plus, j'aime beaucoup. C'était mon kiff, hein, voilà. Surtout le caprice de réunir autant de talents, autant de pianistes sur scène. Et vous pouvez encore les applaudir. Voilà, je... Et oui, oui, allez debout, allez. Non, mais alors, je peux pas raconter des anecdotes sur tous les pianistes, parce qu'il y en a que je ne connaissais pas avant la répétition d'hier, déjà, donc merci à eux. Non, si, c'est vrai. Et puis après, il y a tout profil. Hein. Disons que j'ai eu ma médaille d'or de musique de chambre en déchiffrant Bartok avec Franck de Backer, par exemple. J'ai eu ma médaille d'or d'analyse en travail pas du tout commun avec Amaury Bren. Oh. Voilà. On a partagé des plateaux avec Rémi, avec Fred aussi, on a fait plein de trucs. Il y a même une de mes collègues de danse quand j'avais 8 ans, Emmanuel Van Rechem. Sans compter Vincent Delahousse qui lui faisait la bringue avec mes parents avant même que je naisse. Donc, Alors, oui, c'est un caprice. Et voilà, le... Alors, quitte à se faire un caprice, autant se faire un kiff. Hein. Parce que le morceau qui va suivre, c'est vraiment le truc que j'ai toujours rêvé de jouer avec des orchestres. Voilà, le message est passé, hein, si jamais vous avez un orchestre. Bon, voilà, et c'est vraiment mon kiff personnel. Et pour terminer ce récital, nous allons vous interpréter La Rhapsodie in Blue de George Gershwin.
Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, c'était le déconcerto pour 31 pianistes. Avec Guénola Fatou, Brigitte Maréchal, Yannick Sénéki, André Félix, Cathy Bousmar, Guy Dépinois, Harry Landy, Véronique Vandiac, Dominique Lauverde, Rémi Charlet, Laurence Lepoutre, Inès Lemot, Véronique Vignolas, Ursula Kostijanovic, Emmanuel Vandrichet, Fred Volanti, Martine Pétrolieux et son fan club, Vincent Delahousse, Rebecca Stor, Laurent Catrice, Grégory Rathès, Katia Renard, Catherine Rotker, Emmanuel Magnesi, Geoffrey Storm, Anne Fichic, Amaury Bren, Franck de Macaire, Axel Van Herberg, Nathan Perron, sous la direction de François Clerks, et bien sûr, Monsieur Sexy Clocheman. Et merci au metteur en scène de ce spectacle, François Marzinski. Au son, William Duvet, à la lumière, Fethi Tutsi, à la régie, Jérémy Cherperel, à la régie générale, Gilles Waro, au plateau, Laurent Tartar. Merci encore à Franck Caron et à Roubaix Musique. Merci à vous. D'accord.
Merci. Merci le Sébasto. Merci à tous, merci à tous. Merci beaucoup à vous tous d'être venus aussi nombreux pour cet événement exceptionnel. Oh, bah, oh merci, 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 merci à vous, merci à toute l'équipe. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon retour chez vous et surtout, d'une manière ou d'une autre, faites de la musique.